Men 2021 et Mathis Royati, vice-champion de France 2023. Oui, Alexis Bonneven qui fait son retour dans la compétition, qu'on n'avait pas vu hier, je crois. Il y a la Belgique aussi avec Bren Binnen, sixième des championnats d'Europe 2022. Voilà à peu près les favoris dans ce groupe. Attention aussi, bien sûr, aux Italiens à surveiller de très près. Et eh oui, les Néerlandais, effectivement. David Menegaldo, Manuel Giotto et puis Ardit Moulay. L'entrée aussi de l'Espagnol d'origine basque, Gaizka Blanco. Frais comme un gardon. C'est parti! It's a nice start for everybody. Good start, un bon départ pour tout le monde. Et aussi, on peut surveiller le Danois Magnus Norman Jeppesen, troisième junior B du classement général de la Coupe d'Europe 2022. Allez, c'est la République tchèque qui prend les premières places. Il va rester 24 tours sur la ligne. Attaque le virage, la ligne droite. Et la cloche qui retentira au prochain passage sur la ligne. Peloton groupé pour l'instant, mené par les Tchèques et un Danois aux côtés de Jilek. Le Danois, Magnus Norman Jeppesen. Jilek est toujours en première position, suivi de très près d'un de ses coéquipiers. Ensuite, on aperçoit le casque de Quentin Poujol, Mathis Royati et Alexis Bonneven. Quentin Poujol vigilant dans ses premiers tours de course. Le train imprimé par la République tchèque. La cloche. Allez, la cloche qui retentit. 2 et 1 point au prochain passage sur la ligne. On a décidé d'accélérer avec un des Tchèques, la Belgique aussi. Allez, on se regroupe. On va attaquer le virage. Métodeï Jilek qui commence donc à faire son effort, qui prend maintenant la première position. Ils vont arriver dans la ligne droite. Métodeï Jilek en première position. Et un Hollandais qui fait l'effort aussi pour marquer les points. Semble bien que Jilek ait empoché les deux premiers points. Yann va nous informer, nous donner qui a pris les deux et un point. Ah oui, mince. 305, 2 points. 341, 1 point. 305, 2 points. 341, 1 point. Et Jilek pour les deux points et puis Mulder, un petit point, le Néerlandais. Allez, Jilek et la Belgique, le 302, Lorenz Berger. Allez, on repart avec la Hollande. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. 302, 2 points. 305, 1 point. C'est fini, là. Il a fait un tour. Le 302, Lorenz Berger, qui a marqué ses deux premiers points. Et le 305, Métodeï, qui en rajoute un à son compteur. Allez, côté de l'Italie, avec Ardit Moulay en première position. 337, 2 points. 346, 1 point. 337, 2 points. 346, 1 point. Allez, trois garçons aux avant-postes. Portugal, le Danemark, Magnus Jeppesen, Norman. Et on retrouve l'Italie. Portugal, c'est autre que le 346, Afonso Silva. 346, 2 points. 309, 1 point. 346, 2 points. 309, 1 point. 2 points de plus pour Afonso Silva. Et un point pour le Danois, Norman Jeppesen. Et oui, avec Afonso Silva, on prend la première place. Allez, 18 tours encore à effectuer. Continue l'effort du côté de l'Italie. Il me semble que c'est Ardit Moulay
En première position, 337, c'est ça, Ardit Moulay. Three, three, seven, 2 points. Three, three, four, 1 point. 337, 2 points. 334, 1 point. Et l'Italie avec Manuel Giotto qui a empoché un petit point, qui est venu priver Jelek d'un point supplémentaire. Alors, Ardit Moulay en première position dans cette course. Et là, c'est le Français Quentin Pujol qui prend donc les devants. Quentin Pujol, Ardit Moulay. Ouh, l'Espagnol. Est-ce qu'on est venu avec Gaïska Blanco coiffé Ardit Moulay? Pour moi, c'est l'Italien qui a lancé le patin en premier. Allez, Yann, tu vas nous dire ça dans quelques instants. 3-2-0, 2 points, 3-1-1, 1 point. 320, 2 points, 311, 1 point. Eh oui, Blanco. Gaïska Blanco qui prend donc le point. Allez, Métodeil, Jelek, Matisse Royati. Matisse Royati peut-être pour les deux points. Et Yann va nous annoncer les numéros. Matisse Royati, Métodeil, Jelek. 305, 2 points. 322, 1 point. 305, 2 points. 322, 1 point. Allez, Métodeil, Jelek, Matisse Royati, Ardit Moulay. Ensuite, on retrouve en cinquième position Quentin Pujol. Il reste 15 tours, 15 laps to go. Allez, toujours Métodeil Jelek, Matisse Royati, Ardit Moulay. Jelek et Royati dans cet ordre, à mon sens. Et non, c'est pas Ardit Moulay, c'est Manuel Giotto. 305, 2 points, 322, 1 point. 305, 2 points, 322, 1 point. Et oui, Matisse Royati qui marque encore des points. Métodeil, Jelek, 7 points. Ardit Moulay, 4. Afonso Silva, 3 points. Allez, ils arrivent. Oh, l'Espagne qui a pris donc les devants. Avec le dossard 310, c'est Adrian Alonso. 3-1-0, 2 points. 305, 1 point. 310, 2 points. 305, 1 point. Un point de plus pour Métodeil Jelek. Qui fait ses affaires. Il en a déjà 8 à son compteur personnel. Ah oui, on continue l'effort avec Adrian Alonso from Spain, first position. Et en deuxième, on retrouve au niveau du groupe Métodeil Jelek, Matisse Royati. Oh, Matisse Royati qui a décidé de faire l'effort pour aller chercher les points. Three, one, oh, 2 points, 3-2-2, 1 point. 310, 2 points, 322, 1 point. Adrian Alonso en poche de nouveaux points, il en a 4 désormais, et Matisse, 3. Et c'est toujours le Tchèque, hein, Métodeil Jelek, qui est en tête de cette course. Et toujours Adrian Alonso qui va encore empocher 2 points sur la ligne. Yann va nous l'annoncer dans quelques instants. Et là, on a décidé d'accélérer avec l'Italie, Emmanuel Giotto. 3-1-0, 2 points, 3-3-4, 1 point. 310, 2 points, 334, 1 point. Effectivement, Manuel Giotto qui ajoute un deuxième point à son compteur personnel. Et il prend les devants, Manuel Giotto. Oh, il a laissé Adrian Alonso sur place. Manuel Giotto qui va venir prendre les points. Et Quentin Pujol en deuxième position. Quentin Pujol en deuxième. Alexis Bonneven, Matisse Royati. 3-3-4, 2 points, 3-2-0, 1 point. 334, 2 points, 320, 1 point. Allez, on continue l'effort avec l'Italie et Manuel Giotto et Quentin Pujol. On est revenu avec un Portugais sur le Français et l'Italien, voilà. Dix tours à Quentin parcourir, 10 laps more. Et le Portugais, c'est Afonso Silva. Afonso Silva, Manuel Giotto, Quentin Pujol, à toi Yann. 3, 4, 6, 2 points, 3, 3, 4, 1 point. 346, 2 points, 334, 1 point. Allez, toujours, cinquième point pour l'Italien, Giotto. Toujours du côté du Portugal, Afonso Silva en première position, en deuxième. Il me semble que c'est la France
Afonso Silva. Et là maintenant c'est l'Espagne qui a pris donc le Portugal même. Et ouais, le Portugal, Matisse Royati. Oh, Matisse Royati peut-être. Oui, Matisse Royati. Yann va nous l'annoncer dans quelques secondes. 3, 4, 6, 2 points. 3, 2, 2, 1 point. 346, 2 points. 322, 1 point. 2 points de plus pour le Portugais Afonso Silva. Ça le place en deuxième position derrière Jilek. Il revient à 1 point de Metodei Jilek pour le Portugais Afonso Silva. Et Adrián Alonso, 6 points. Allez, le Portugais toujours Afonso Silva, Metodei Jilek qui va prendre sûrement les deux points. Yann va nous le confirmer dans quelques secondes. 3, 4, 6, 2 points. 3, 0, 5, 1 point. Un 346, point pour Jilek, 2 points. 305, 1 point. Pardon, un petit point, je disais, pour Metodei Jilek. Sont à égalité, Silva, Afonso Silva et Metodei Jilek, 9 points chacun. Ah oui, Afonso qui prend la première position, il va encore en ranger, prendre 2 points, Afonso Silva. Metodei Jilek qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Allez Yann, tu vas pouvoir nous confirmer les 2 et 1 point pour le Portugais et le Tchèque. 3, 4, 6, 2 points, 3, 0, 5, 1 point. 346, 2 points, 305, 1 point. Oh, on est parti du côté de la République Tchèque, Metodei Jilek qui a laissé tout le monde sur place. Oh, on va sûrement venir aller chercher 2 points de plus sur la ligne. 6 tours encore à effectuer, Metodei Jilek. Quant à Pujol en deuxième qui n'a pas l'intention de laisser Metodei partir tout seul. Allez Yann, à toi. 305, 2 points. 320, 1 point. 305, 2 points. 320, 1 point. Metodei Jilek, 2 points. 1 point pour Quentin Pujol. Il reste 5 tours. 5 laps to go. Eh oui, 5 laps to go. Mais toujours Metodei Jilek en first position. Second place, Quentin Pujol. Oh, en troisième, on revient avec l'Italie et le Portugal. Allez, 305, 2 points, 320, 1 point. 305, 2 points, 320, 1 point. Allez, toujours Metodei Jilek, Quentin Pujol. Pour l'Italie, Davide Menegaldo. Et pour le Portugal, on va voir dans quelques instants. Et toujours Metodei Jilek, Quentin Pujol. Oh, le Portugal. Portugal avec 343, Miguel Montero. 3, 4, 3, 2 points, 305, 1 point. 343, 2 points, 305, 1 point. Déjà 15 points au compteur pour Metodei Jilek, 11 pour Afonso Silva, 5 petits points pour Quentin Pujol, 5 pour Manuel Giotto. Eh oui, mais Metodei Jilek qui continue à prendre les devants, il va continuer à prendre beaucoup de points, Metodei Jilek, Afonso accompagné de Miguel Montero. Et pour l'Italie, Davide Menegaldo en troisième position. À toi, Yann. 305, 2 points. 343, 1 point. 305, 2 points. 343, 1 point. Allez, Metodei Jilek. Afonso. Portugal avec lui. C'est Miguel Montero, bien sûr. Voilà. Allez, Metodei Jilek, Miguel Montero. Toujours allez, ces deux garçons aux avant-postes, il reste deux tours. Two laps to go. Oh, Metodei qui a décidé de partir tout seul, Metodei Jilek. Il va peut-être venir chercher un quatrième titre ici, à toi Yann. 305, 2 points. 343, 1 point. 305, 2 points. 343, 1 point. Il creuse son avance, Metodei Jilek. Avec méthode, oserais-je dire, il a déjà 19 points. Et oui, il est parti pour un quatrième titre, Metodei Jilek, pour ses championnats d'Europe. 3 titres sur piste, peut-être un titre sur la route. Allez, Metodei Jilek encore. Last lap, last lap. Oh, du côté du Portugal, on est parti. À toi, Yann, de nous annoncer 2 et 1 point. 3-4-4, 2 points. 3-4-6, 1 point.
344, 2 points. 346, 1 point. Et oui, João Jesus Ornelas, c'est lui qui va sortir du virage en première position. Le voilà, João Jesus Ornelas qui va aller chercher les 3 points. Oh, du côté de l'Italie, 334, Manuel Giotto. Et elle va nous annoncer les 3, 2 et 1 point. En tout cas, Metodei Ilek devrait venir champion d'Europe. Pouvez l'applaudir, big applause, Metodei Ilek. 3-4-4, 3 points, 3-3-4, 2 points, 3-3-9, 1 point. 344, 3 points, 334, 2 points, 339, 1 point. Allez, on va attendre le résultat officiel, mais sans aucun doute, on devrait retrouver Metodei Ilek sur la première marche du podium. Ah oui, sauf catastrophe, il n'y a pas photo, avec 19 points au compteur, le Tchèque a frappé très très fort.